Voilà, ça c'est copine, rien à voir. Hein. Ça va? Comment tu t'appelles? Ça va, Dalila? Tu es énervée, Dalila? Dis-moi, il y a quelqu'un qui te doit des sous dans la salle, elle est comme ça. Fils de pute, il est où? On va le retrouver. T'es venu avec qui? Avec ta fille? Hey! C'est bien. Tu l'as eu jeune? Ouais, ça se voit parce que t'es pas très vieille. Parce que tu es jeune. Tu as eu à quel âge? Oui, elle a 14 ans. Non. Elle a quel âge? 25. 25, tu l'as eu à quel âge? 21. À 21. Alors, 21 plus 25, c'est son âge. Vous avez le... C'est des mathématiques, c'est des mathématiques. Vous, monsieur, ça va, monsieur? Comment vous appelez? Wari. Wari? Ça va, Wari? Tu es venu avec madame? C'est là qui me dit non, c'est ma fille. Ça aurait pu, hein, Wari? Un petit air de Richard Gere qui a grossi. Richard Gere, version arabe. Richard Gide. Richard. Ça va? Et madame Wari, comment vous appelez? Karima. Karima, ça va? Ça fait longtemps que vous êtes avec Wari? 6 ans. 6 ans, ça se passe bien? Très bien. Très bien. Et mari et femme? Marie et femme. Super. Des enfants? Deux bébés. Deux bébés, c'est beau. Qui les garde? La baby-sitter. Ah, vous avez une baby-sitter? Ah, bien. C'est les Arabes qui ont percé. Ils ont percé. Sans les Arabes qui souffrent, allez chez la belle-mère. Trop cher, c'est trop cher. Calcule les places, plus un baby-sitter, multiplie par les heures. C'est bien. Baby-sitter, sympa? Fais quoi dans la vie, Wari? Grossiste. Grossiste. Bah ouais, j'ai vu que c'était gros. Grossiste dans quoi? Parce que ça peut porter à la combi. La pizza? Tu fais des pizzas en gros? Tous les quoi, la sauce tomate, les olives, tout ça? Super. Et c'est une marque de pizza spécifique ou? C'est une petite PME. C'est une petite PME. Donc si moi je monte une pizzeria, je te dis. Effet Wari, c'est ça que je rêvais dans ma vie. Je vais tout plaquer, l'humour pour faire des pizzas. Et vous allez m'appeler Mario. Mario, c'est ça. Bon, super, premier rang, vous êtes au courant, on va pas se mentir. Hein. J'avais acheté les places pour être là, c'est que vous cherchez le contact. Il vous l'a expliqué. On va commencer par madame. Comment vous appelez madame? Sandra. Ça va Sandra, t'es venue avec ton chéri? Ouais. Il ressemble à Fabien Barthez de ouf. Vous voyez pas. S'il te plaît, comment je t'appelle, monsieur? Christophe. Christophe, tu te mets debout, juste tu le regardes un coup pour qu'ils aient la référence. Voilà, vas-y, mets-toi debout. Voilà, et retourne-toi. Voilà. Fabien Barthez, frérot, le même. Sandra, ça fait quoi d'être avec un champion du monde? Ça va? Tu fais quoi dans la vie, Sandra? Secrétaire? Comptable. Comptable. C'est éclaté. On va pas se mentir, on va pas dire. C'est un métier de fou, Sandra. On va te laisser tranquille, on va t'épargner. Bonsoir, madame. Ça va? Comment vous appelez? Amel. Amel, super. Et? Saba. Saba. Vous êtes amie? Sœur. Sœur, super. Sœur. Oui, vous avez un peu la même tête. Amel, t'es la grande sœur. Ouais. C'est les rides, c'est les rides. C'est les... Et tu le vois que c'est la grande sœur, c'est la grande sœur. Faites quoi dans la vie? Intérim, super. Du coup, t'embauches des gens? Des gens embauchés, des gens qui bossent l'image de gens qui connaissent pas. Parce qu'on peut te placer la panthère, elle est là. Et la frangine, elle fait quoi? Je suis en reconversion professionnelle. Tu reconversion professionnelle. T'as arrêté l'islam, tu vas sur... Non, vraiment reconversion professionnelle. Tu faisais quoi avant? Je suis chargée de programmation à la télé. Non, quelle chaîne? T'étais à Canal Plus? Ils t'ont viré? Non, je suis pas. Pourquoi t'es parti? C'est bien Canal Plus. C'est quoi qui n'allait pas? Qu'est-ce qui n'allait pas? Tu vas faire quoi à la place? Non, la télé, c'est du stress. Tu veux faire quoi à la place? Architecte d'intérieur. Architecte d'intérieur. Bien. Tu vas faire comme elle. Tu vas chez des gens. Ça va pas. Là, tu avais un boulot super bien payé à la télé. Non, mais tu as raison. Pour la liberté de... Voilà, pour être tranquille. Tu t'es pas fait virer? Non. Non. Sûr. T'as quitté comme ça, tu t'es levé un matin? J'en ai marre de gagner 20 000 euros par mois. Je vais mettre des cadres chez des gens IKEA, c'est ça?